makamba Kongo na minute oyo ikomi ya bomba bomba mabe. Leader nyo sutu ya Kongo, il faut ala kisaba evre na ye. Soit opposant nyo sutu, il faut to ye ba ye na ba evre. Sans evre, opposant to ye ba ete. Alors, opposant oyo, azalaki opposant politique, ba evre na ye na kat na Kinshasa, to mona ba ekol. Soki to moni ba ekol, to moni ba hôpital. Tomoni biloko oya sali pona peuple nde tobeta maboko. Merci. C'est en avril 2011 qu'a commencé une initiative du couple Karine et Moïse Katumbi qui va changer la vie des plusieurs générations. Le chantier d'une école technique située dans la périphérie de Lubumbashi pour les populations marginalisées et surtout les enfants issus des familles pauvres. Deux années plus tard, le collège technique Mwapusukeni pousse du sol. Une école que le couple Katumbi fait don au père jésuite sans en tirer un quelconque profit en dépit du gros investissement. Une somptueuse école disposant d'une capacité d'accueil de 700 élèves étendue sur 1000 mètres carrés. L'école formera électriciens, informaticiens, plombiers, ajusteurs, constructeurs métalliques, électroniciens industriels et mécaniciens. Hormis les 24 salles de classe modernes, un terrain de basket et volleyball, une cantine pour les élèves, un cafétéria, trois salles informatiques bien équipées, un parking pour les enseignants et visiteurs, une piscine couverte de 60 mètres carrés et une salle polyvalente construite à l'américaine apte à accueillir toutes sortes de manifestations. Salle des professeurs et des bureaux administratifs. Ce qui ramène à 28 le nombre d'écoles que les Katumbi ont offert à la population. Infrastructure réalisée par la main-d'œuvre congolaise. Pour la cérémonie d'inauguration, le couple Katumbi a naturellement effectué les déplacements. Dans la salle polyvalente, le vicaire général bénit l'ouvrage et le père recteur du collège Mwapusukeni donne l'ego d'allocution remplie de sentiments de gratitude. Je tiens à exprimer nos sentiments de gratitude au généreux couple initiateur et donateur de ce beau cadeau. Par après, Mme Karine Katumbi recevra les clés de main de l'entrepreneur Safrikas et avance les motivations de cet investissement. Zali ko sala, zali ko monana. Moïse Katumbi, ma œuvre zali ko sala, zali ko monana. A bongo ya ba leader congolais. E monana ka, to e monana ka te, to lo ba vérité. Voilà. De haute portée philanthropique. Nous avons besoin de plusieurs écoles techniques pour former des techniciens qui pourront répondre aux besoins du marché du travail et particulièrement aux besoins des entreprises. Telles sont les raisons qui nous ont poussé, mon mari et moi, à construire cette école pour en faire don aux jésuites dont la qualité de l'enseignement et la rigueur ne sont plus à démontrer. Le père provincial des jésuites reçoit la clé du collège et dit son mot de reconnaissance. Ce don à titre gracieux montre l'estime que la famille Katumbi porte à la compagnie de Jésus. Une école des petits, de ceux qui ont été marginalisés. Que Dieu bénisse la famille Katumbi, que Dieu bénisse le collège technique Mwapusukeni. Le comité de parents parlera avec beaucoup d'émotion et les élèves à leur tour émettront un cadeau symbolique au couple Katumbi. Remise des documents de l'école, dévoilement de la plaque commémorative, coupure du ruban symbolique et c'est la visite détaillée des lieux. Les consuls de la Belgique est flatté. Je pense que ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. C'est ce qu'on appelle apporter sa contribution dans la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État Joseph Kabila, ce qui permet l'accessibilité à l'éducation pour tous, surtout les plus démunis, vu que les frais d'inscription sont de 4500 francs congolais, le plus bas de la ville. Pendant que plusieurs voix s'élèvent pour transformer les écoles d'enseignement général en enseignement technique et professionnel, le couple Katumbi vient de démontrer une nouvelle fois sa volonté à aider les pauvres.
Nani Azali Kolobake, Azali père de la résistance. Ba leader congolais, ba komi kouwelela. Nga moutouna banda, nga iboye. Ba leader congolais, kaka kouwelela, nga Azali père de la résistance. Nga Azali grand leader. Tout à la paix, misala ba grand leader, ya ba père de la résistance. Ce qui vraiment Azali ba père de la résistance. Misala ne! Yenni misa ba congolais po bandi mayo yenga ye ala